Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les amis, et de quoi va-t-on bien pouvoir parler dans cette vidéo? Écoutez, si vous êtes fan de Ubisoft en général, installez-vous, mais particulièrement de la licence The Division, franchement, prenez un paquet de popcorn, mettez-vous à l'aise, parce que j'ai de très bonnes nouvelles quant au futur de cette licence qui, d'après moi, est incroyable. Enfin bref, on en parle. Qu'on est tous d'accord pour dire que les jeux Ubisoft, en général, ils se ressemblent tous. Ils ont un peu tous la même formule. Mais s'il y a bien une licence qu'on peut retirer de ce groupe-là, c'est bien The Division. Car déjà, il a quelque chose que j'adore et qu'on ne voit pas souvent, surtout à l'époque d'aujourd'hui, une ambiance mature. The Division ne se veut pas coloré, ne se veut pas fun. Non, il t'instaure direct les bases. Il y a une épidémie, t'as des millions de morts, et au milieu de tout ça, c'est le chaos entre les humains. C'est incroyable. Puis un autre point positif qui me fait personnellement beaucoup rire, c'est la seule licence d'Ubisoft qui instaure très bien le système RPG. Et pour ça, d'après moi, c'est une des licences les plus fortes chez Ubisoft qu'il faut clairement pas abandonner. Pourtant, depuis la sortie du deuxième opus en 2018, on ne peut pas dire que l'actualité autour de cet univers soit très excitante. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, ça dépend, par rapport au développement post-lancement de The Division 2, on peut dire qu'il est presque irréprochable, on a eu un énorme DLC, plein de saisons, plein d'ajouts de contenu, mais à part ça, ça fait quand même 5 ans qu'on attend un nouvel opus, et de la part de Ubisoft, c'est quand même assez étrange que 2-3 ans après la sortie de The Division 2, on n'ait pas eu un The Division 3, c'est pas très bon signe. Je sais très bien qu'après avoir dit ça, les gens vont me dire « Bah attends, tu déconnes ou quoi? Il y a un jeu mobile qui va sortir, et un opus préquel qui arrive très bientôt. » Sauf que, ce ne sont pas des vrais opus, je ne les prends pas en tant que tels. Parce que, quand tu regardes leur gameplay, quand tu regardes les trailers, je suis désolé, mais personnellement, je ne retrouve pas l'ambiance mature qu'avaient The Division 1 et The Division 2. On est plutôt sur un jeu qui surfe sur les hypes du moment, c'est-à-dire un extraction shooter tel que DMZ, et de l'autre un jeu mobile qui recycle The Division 1. Me dis pas que tu peux être hypé vraiment par rapport à ça. Et donc, est-ce que un jour, on verra un troisième opus, un vrai troisième opus, The Division 3? Eh ben écoutez, tu m'aurais dit ça, posé cette question il y a 6 mois, j'aurais dit, ça va être très compliqué, en tout cas, on verra ça dans très longtemps. Parce que Massive, c'est eux qui développent les The Division, sont en train de terminer Avatar Frontiers of Pandora, et vont enchaîner par la suite sur un jeu Star Wars nommé Star Wars Outlaws. Deux grosses licences sur lesquelles ils peuvent pas se louper. Et je voyais mal le studio développer The Division 3. Eh ben écoutez, finalement, on a eu une annonce. The Division 3 va bien sortir un jour. Oui, vous avez bien entendu, Ubisoft a annoncé durant le Tokyo Game Show de 2023 que The Division 3 est en développement. Et on en apprend même plus avec un message officiel où l'éditeur dit « Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n'en est qu'à ses débuts en tant que franchise. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter, d'endroits à explorer et de gens à protéger. » Vous avez bien compris, pour Ubisoft, la franchise The Division est une priorité. Et en plus de ça, ils ont nommé James Gerrity en tant que producteur exécutif et voici ce qu'il dit. Je me rappelle de la promesse de gameplay, la coop, le PVP, les mécaniques RPG en monde ouvert, ce monde auquel on pouvait s'identifier très réaliste, où vous pouviez réellement être un agent de changement. Chez Massive, il y a grand nombre de développeurs talentueux qui travaillent actuellement sur la marque, et je pense qu'une plus grande cohérence ne peut qu'améliorer le travail de chacun. Nous allons faire en sorte que The Division 3 amplifie ses promesses, ainsi que sur la multitude d'autres projets situés dans l'univers de la franchise. Franchement, quand t'entends ça, mais ça me hype de fou. Alors oui, je sais que le mec est payé par Ubisoft. Clairement, dans son contrat, il est stipulé « Faites de la bonne pub pour les franchises de Ubisoft ». Mais faut se rappeler d'un truc, c'est que ce mec a travaillé sur The Division 2. Et on va pas se mentir, The Division 2 a énormément amélioré ce que faisait le premier. Et donc, si pour le troisième opus, ils amplifient réellement le côté réaliste, ce que j'espère, hein, qui continue à améliorer la coopération, le PVP, etc. On est sur un banger qui arrive. J'ai très hâte. La seule chose où je croise les doigts, c'est qu'il y ait le retour du mode survie.
ça serait exceptionnel, c'est un mode que j'ai kiffé. Et puis pour le reste, bah écoutez, une petite map sur San Francisco, ça serait génial. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hype ou pas? En tout cas, sachez que ça va prendre du temps, c'est clairement pour 2025 avec tous les jeux qui sont en train de développer Massive, mais on va attendre, on est impatient, mais on croise les doigts pour un jeu incroyable. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.